Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le deuxième épisode du deuxième conte des Mille et une nuits. On a vu que Ghanem a assisté à l'enterrement d'un coffre et il est curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Allons voir ce qui va se passer. Ghanem, qui, du haut du palmier, avait entendu les paroles que les esclaves avaient prononcées, ne savait que penser de cette aventure. Il jugea qu'il fallait que ce coffre renfermât quelque chose de précieux et que la personne à qui il appartenait avait ses raisons pour le faire cacher dans le cimetière. Il résolut de s'en éclaircir sur le champ. Il descendit du palmier. Le départ des esclaves lui avait ôté sa frayeur. Il se mit à travailler à la fosse et il y employa si bien les pieds et les mains qu'en peu de temps, il vit le coffre à découvert, mais il le trouva fermé d'un gros cadenas. Il fut très mortifié de ce nouvel obstacle qui l'empêchait de satisfaire sa curiosité. Cependant, il ne perdit point courage et le jour venant à paraître sur ses entrefaites, lui fit découvrir dans le cimetière plusieurs gros cailloux. Il en choisit un, avec quoi il n'eut pas beaucoup de peine à forcer le cadenas. Alors, plein d'impatience, il ouvrit le coffre. Au lieu d'y trouver de l'argent, comme il se l'était imaginé, Ghanem fut dans une surprise que l'on ne peut exprimer, d'y voir une jeune dame d'une beauté sans pareille. À son teint frais et vermeil, et plus encore à une respiration douce et réglée, il reconnut qu'elle était pleine de vie, mais il ne pouvait comprendre pourquoi, si elle n'était endormie, elle ne s'était pas réveillée au bruit qu'il avait fait en forçant le cadenas. Elle avait un habillement si magnifique, des bracelets et des pendants d'oreilles de diamants avec un collier de perles fines si grosses qu'il ne douta pas un moment que ce ne fût une dame des premières de la cour. À la vue d'un si bel objet, non seulement la pitié et l'inclination naturel à secourir les personnes qui sont en danger, mais même quelque chose de plus fort que Ghanem alors ne pouvait pas bien démêler. Le porteur a donné à cette jeune beauté tout le secours qui dépendait de lui. Avant toute chose, il alla fermer la porte du cimetière que les esclaves avaient laissée ouverte. Il revint ensuite prendre la dame entre ses bras. Il l'attira hors du coffre et la coucha sur la terre qu'il avait ôtée. La dame fut à peine dans cette situation et exposée au grand air qu'elle éternua et qu'avec un petit effort qu'elle fit en tournant la tête, elle rendit par la bouche une liqueur dont il parut qu'elle avait l'estomac chargé. Puis, entr'ouvrant et se frottant les yeux, elle s'écria d'une voix dont Ghanem qu'elle ne voyait pas, fut enchantée. Fleur du jardin, blanche de corail, canne de sucre, lumière du jour, étoile du matin, délice du temps. Parlez donc, où êtes-vous? C'était autant de noms de femmes esclaves qui avaient coutume de la servir. Elle les appelait et elle était fort étonnée de ce que personne ne répondait. Elle ouvrit enfin les yeux et se voyant dans un cimetière, elle fut saisie de crainte. Quoi donc, s'écria-t-elle, plus fort qu'auparavant. Les morts ressuscitent? Sommes-nous au jour du jugement? Quel étrange changement du soir au matin! Ghanem ne voulait pas laisser la dame plus longtemps dans cette inquiétude. Il se présenta devant elle aussitôt avec tout le respect possible et de la manière la plus honnête du monde. Madame, lui dit-il, je ne puis vous exprimer que faiblement la joie que j'ai de m'être trouvée ici pour vous rendre le service que je vous ai rendu et de pouvoir vous offrir tous les secours dont vous avez besoin dans l'état où vous êtes. Pour engager la dame à prendre toute confiance en lui, il lui dit premièrement qui il était et par quel hasard il se trouvait dans ce cimetière. Il lui raconta ensuite l'arrivée des trois esclaves et de quelle manière ils avaient enterré le coffre. La dame, qui s'était couvert le visage de son voile,
dès que Ghanem s'était présenté, fut vivement touchée de l'obligation qu'elle lui avait. « Je rends grâce à Dieu, lui dit-elle, de m'avoir envoyé un honnête homme comme vous pour me délivrer de la mort. Mais puisque vous avez commencé une œuvre si charitable, je vous conjure de ne pas la laisser imparfaite. Allez de grâce dans la ville chercher un muletier. Il vienne avec un mulet me prendre et me transporter chez vous dans ce même coffre. Car si j'allais avec vous à pied, mon habillement était différent de celui des dames de la ville. Quelqu'un y pourrait faire attention et me suivre, ce qu'il m'est de la dernière importance de prévenir. Quand je serai dans votre maison, vous apprenez qui je suis par le récit que je vous ferai de mon histoire. Et cependant, soyez persuadé que vous n'avez pas obligé une ingrate. » Avant de quitter la dame, le jeune marchand tira le coffre hors de la fosse, il la combla de terre, remit la dame dans le coffre et il y renferma de telle sorte qu'il ne paraissait pas que le cadenas eût été forcé. Mais de peur qu'elle n'étouffât, il ne referma pas exactement le coffre et y laissa entrer l'air. En sortant du cimetière, il serra la porte après lui et comme celle de la ville était ouverte, il eut bientôt trouvé ce qu'il cherchait. Il revint au cimetière où il aida le muletier à charger le coffre en travers sur le mulet et pour lui ôter tout soupçon, il lui dit qu'il était arrivé à la nuit avec un autre muletier qui, pressé de s'en retourner, avait déchargé le coffre dans le cimetière. Ghanem, qui depuis son arrivée à Bagdad ne s'était occupé que de son négoce, n'avait pas encore éprouvé la puissance de l'amour. Il en sentit alors les premiers traits. Il n'avait vu voir la jeune dame sans être ébloui, et l'inquiétude dont il se sentit agité en suivant de loin le muletier, et la crainte qu'il n'arrivât en chemin quelques accidents qui lui fit perdre sa conquête, lui apprirent à démêler ses sentiments. Sa joie fut extrême lorsque, étant arrivé heureusement chez lui, il vit décharger le coffre. Il renvoya le muletier et, ayant fait fermer par un de ses esclaves la porte de sa maison, il ouvrit le coffre, aida la dame à en sortir, lui présenta la main et la conduisit à son appartement en la plaignant de ce qu'elle devait avoir souffert dans une si étroite prison. « Si j'ai souffert, lui dit-elle, j'en suis bien dédommagée par ce que vous avez fait pour moi et par le plaisir que je sens à me voir en sûreté. » L'appartement de Ghanem, tout richement meublé qu'il était, attira moins les regards de la dame que la taille et la bonne mine de son libérateur, dont la politesse et les manières engageantes lui inspirèrent une vive reconnaissance. Elle s'assit sur un sofa, et pour commencer à faire connaître au marchand combien elle était sensible au service qu'elle en avait reçu, elle ôta son voile. Ghanem, de son côté, sentit toute la grâce qu'une dame si aimable lui faisait de se montrer à lui le visage découvert. Ou plutôt, il sentit qu'il avait déjà pour elle une passion violente. Quelque obligation qu'elle lui eût, il se crut trop récompensé par une faveur si précieuse. La dame pénétra les sentiments de Rami et n'en fut pas alarmée parce qu'il paraissait fort respectueux. Comme il jugea qu'elle avait besoin de manger et ne voulant pas charger personne que lui-même du soin de régler une hôtesse si charmante, il sortit, suivi d'un esclave et alla chez un traiteur ordonner un repas. De chez le traiteur, il passa chez un fruitier où il choisit les plus beaux et les meilleurs fruits. Il fit aussi provision d'excellents vins et du même pain qu'on mangeait au palais du calife. Dès qu'il fut de retour chez lui, il dressa de sa propre main une pyramide de tous les fruits qu'il avait achetés et les servant lui-même à la dame dans un bassin de porcelaine très fine. « Madame, lui dit-il, en attendant un repas plus solide et plus digne de vous, choisissez de grâce, prenez quelques-uns de ces fruits. »
Il voulait demeurer debout, mais elle lui dit qu'elle ne toucherait à rien qu'il ne fût assis et qu'il ne mangeât avec elle. Il obéit, et après qu'ils eurent mangé quelques morceaux, Ghanem, remarquant que le voile de la dame qu'elle avait mis auprès d'elle sur le sofa avait le bord bordé d'une écriture en or, lui demanda de voir cette broderie. La dame mit aussitôt la main sur le voile et le lui présenta en lui demandant s'il savait lire. « Madame, répondit-il d'un air modeste, un marchand ferait mal ses affaires s'il ne savait au moins lire et écrire. » « Eh bien, reprit-elle, lisez les paroles qui sont écrites sur ce voile, aussi bien c'est une occasion pour moi de vous raconter mon histoire. » Ghanem prit le voile et lut ces mots. « Je suis à vous et vous êtes à moi, ô descendant de l'oncle du prophète. » Ce descendant de l'oncle du prophète était le calife Harun Rachid, qui régnait alors et qui descendait d'Abbès, oncle de Mahomet. Quand Ghanem eut compris le sens de ces paroles, « Ah, madame, s'écria-t-il tristement, je viens de vous donner la vie et voilà une écriture qui me donne la mort. Je n'en comprends pas tout le mystère, mais elle ne me fait que trop connaître que je suis le plus malheureux de tous les hommes. Pardonnez-moi, madame, la liberté que je prends de vous le dire. Je n'ai pu vous voir sans vous donner mon cœur. Vous n'ignorez pas vous-même qu'il n'a pas été en mon pouvoir de vous le refuser, et c'est ce qui rend excusable ma témérité. Je me proposais de toucher le vôtre par mes respects, mes soins, mes complaisances, mes assiduités, mes soumissions, par ma constance, et à peine j'ai conçu ce dessein flatteur que me voilà déchu de toutes mes espérances. Je ne réponds pas de soutenir longtemps un si grand malheur, mais quoi qu'il en puisse être, j'aurai la consolation de mourir tout à vous. Achevez, madame, je vous en conjure, achevez de me donner un entier éclaircissement sur ma triste destinée. وَأَدْرَكَ شَهْرَزَادُ الصَّبَاحَ فَسَكَتَتْ عَنِ الْكَلَامِ الْمُبَاحِ. C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son épisode pour assurer sa vie le lendemain. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.